si vite qu'elle renversa dans sa frite une étage et sa chimène de confite, qui, remarquant sa porte ouverte, sortit alors d'un pas allant, courut bien vite vers la ville, cherchant quelques esprits fragiles où se glisser et s'amuser, quelques esprits impressionnés. Elle jeta son dévolu sur 4 jeunes courageux, qui se trouvèrent transportés, sans l'avoir même demandé, dans un royaume imaginaire, celui de l'espiègle chimère, qui les y fit tourner, danser, toute la nuit, sans s'arrêter.